Le Summerfest, c'est un festival qui existe depuis 3 ans et qui a pour but de se faire plaisir déjà entre une sacrée bande de potes qui sont dans le spectacle et qui se disaient bah écoute, l'été on a bien aussi envie de se faire notre propre festival. On travaille déjà suffisamment pour d'autres festivals, on aimerait bien mettre un peu notre touche. C'est parti comme une boule, et c'est, en moins de 10 mois on avait monté la première édition du Summerfest. On essaie d'accueillir les gens comme s'ils venaient chez nous en fait. Et tout ça, ça nécessite une sacrée organisation. On a essayé de tout lécher, que tout soit propre, tout soit cleané, pour que les gens se sentent bien et respectent l'endroit comme si c'était aussi chez eux en fait. Cette année sur 50% groupes locaux, 50% groupes internationaux. Ces groupes-là, on les a sélectionnés parmi 200 CD, on écoute absolument tout ce qu'on soit. Et ces groupes-là, après, on va les voir sur scène. L'année dernière, on est même venu avec nos CD. On est allé voir à l'entrée, on a dit bon bah voilà notre CD, ça nous ferait tellement plaisir de jouer ici et bah ça s'est super bien passé. Donc c'est un honneur pour nous d'être là et qu'ils nous accordent leur confiance quoi. On est vite en transe, on est sur une scène comme ça avec un public pareil, c'est. Puis l'ambiance du festival fait. Ils jouent pour beaucoup quoi. Le bal des enragés qui passe donc demain soir, ça envoie grave du bois parce qu'il va y avoir quand même 21 personnes sur scène. Qui passent chacun leur tour, il y a 2 batteries sur scène, chaque musicien passe les uns après les autres, et il y a 2h20 de live, de reprises qui vont aussi bien, de Trust, en passant par les Berruriers Noirs, Rage Against the Machine. On est 16-17 musiciens en tournée, et on joue que des reprises, donc de tout ce qui nous a fait triper, ça va des années 60 aux années 2000, voire 2010, tu vois. Et à chaque morceau, on change de musicien. Voilà, donc ça fait c'est un concert de rock, mais aussi un spectacle vivant. Hier soir, on est arrivé, franchement, c'était comme si c'était tout cuit d'avance. Les gens, ils étaient avec nous déjà, ça gueulait avant qu'on démarre. Mais là aussi, c'est un challenge, c'est pas pour ça que c'est plus facile. Ça a été d'ailleurs difficile. Parce que il faut pas que ça se. Tu vois, il faut pas que le souffle il retombe, quoi. Et donc, faut y aller et essayer d'emmener le truc encore plus loin, peut-être. Voilà, quoi. Notre ambition, c'est surtout qu'il y ait tous nos potes qui reviennent tous les ans nous filer un coup de main pour le festival. Et puis que ça se continue comme ça, dans cette ambiance-là, que le public a envie de venir de plus en plus nombreux. Mais tranquillo, tranquillo. We'll be right back.